in Bordeaux. Dat is hier nog steeds Bordeaux. We zitten hier in het gebied van het estuarium. Dat is eigenlijk de grootste riviermonding van West-Europa. Waar zet ik je af? Ik heb afgesproken met Guillaume en Rachel van Château Pébenom. En dat zijn voorstanders van de biodynamische wijnbouw. Coucou. Wauw. On est la cinquième génération de notre famille à être basée ici. Pébenom, c'est sûr, c'est Pay en gascon, ça veut dire la colline. Donc on est sur une colline. C'est une colline en calcaire. Argilo-calcaire, oui. Ouais. C'est vraiment le sol typique de la rive droite. OK. Et c'est là où le merlot se plaît. Et les vins bio, c'est plutôt pas de chimie dans la vigne, mais la biodynamie, c'est un pas plus loin. Racontez-moi. On va plus loin, on prend une vision globale, on prend en compte le cosmos, la Terre, et nous, on se situe entre les deux et on cherche à faire le lien et à permettre à ce que la plante soit en connexion avec tous les éléments. Notre philosophie, c'est de très peu intervenir dans le chai. Millésime 2015, c'est très fruité, fruits rouges, très gourmand, avec une belle fraîcheur. Finalement, c'est des vins faciles à boire, je dirais plutôt accessibles pour un grand public. Hier, c'est. Dag Pandy, hoe is het vindt? Je ziet dat ze 9 gram omhoog zijn vandaag. En we maken een eend klaar in een kruidenjasje. Nu, het parfum van die kruiden dat je aanbakt, dat is echt macht, hè? Dat is echt een geurbommetje. Hè? Ah, je représente la famille Hubert. C'est l'apothéose. Merci. À la biodynamie. Oui, merci.